Pas quoi tu... Bah je filme vlog, des petits souvenirs. On les remet en pull magnifique. Waouh. Ah, ah, d'ailleurs, il y a le match aujourd'hui. Ouais, France-Tunisie. Donc ça tombe bien, en pull. Bah oui, je suis venue avec toi. Ah, t'as fait exprès? Non, je n'ai pas fait exprès. Ah, d'accord. Ah, notre, la danse que j'aime beaucoup. Ah, je faisais comment déjà? C'est ça? C'était quoi? La danse quand j'ai froid avec ma maman. Ouais, avec ta veste là. Mais elle a quoi elle? Mais je filme tous les jours. Voilà. Ah ouais? Oui. Depuis quand? Depuis il y a 3 jours. Ouais. T'es ça, Ange? Ouais, c'est quoi Racifleur? En fait... Tu leur as dit que tu t'appelles Racifleur? Non, vas-y, explique. C'est le créateur en gros, de ce. En gros, bah, Angélique, elle s'appelle Angélique Rachida Fatema Sahra. Fatema, d'où tu l'as sorti le Fatema? Déjà, il n'y a pas Fatema. C'est Zahra. Oui. C'est juste Rachida Zahra. Exactement. Du coup, bah, elle s'appelle Angélique Rachida Zahra. Et au Maroc, quand il y a une meuf qui s'appelle Fatema Zahra, tu l'appelles Fatifleur. Parce que Zahra, c'est fleur en français. Et du coup, vu qu'elle, c'est Rachida Zahra, bah, du coup, on l'appelait Rachifleur. Franchement, on repas de la Hesse à fond. And it hurts so bad. Ouais, c'est vraiment pas bon. Donc mes abonnés là, dites-moi sur les commentaires si vous aimez les puces. Je déteste ça. Donc du coup maintenant ça s'est transformé en... Genre, tu sais que moi j'avais une tienne quand j'étais petite, mais j'ai regardé. C'est deux lettres, comme ça. Du coup genre il y a ça qui va là, et ça. Et bah ça, ça veut dire chalet. C'est le diminutif de Charlotte en japonais. Ah, okay. Et du coup, en fait... Ouais. Ma signature. Voilà. Votez pour... Qui a la plus belle signature? Angélique. Et... Charlotte. Et ben moi. On adore le caca en plein milieu. On va rajouter la signature de Mandy. Mais ça va, elle est stylée. Ouais, moi, je m'appelle Maud et je suis curieuse, c'est-à-dire c'est l'entièreté de ma définition au sein de cette classe. Non. C'est une personne très, très gentille. Des conseils genre à donner à ceux qui vont rentrer en prépa? En vrai, ouais, faut faire plus de maths. Ok. Ne pas faire banal jusqu'à ce que ce soit les révisions. Ouais, ça c'est vrai. En plus, c'est ce qu'il nous conseille, notre prof de maths. Et puis apprendre régulièrement. En vrai, toujours fichier au fil du temps les cours de nos heures. Wow.